Salut à toi. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, on dort là. Bah ça grimpe hein. Ouais, faut mériter hein, la nuit au chalet. Wow, on n'y est pas encore hein. Non. Allez, à toutes. Continue. C'est où tu viens chercher la clé pour les petits Mayens. Alors on est enfin arrivé. On est enfin arrivé. Et ce soir, on dort là-bas. On te montre tout ça? Allez. Viens avec nous, allez. Prêt? C'est parti. Suspense. Alors, comme tu vois, hein, faut baisser la tête. Hein. Voilà, bienvenue chez nous pour une nuit dans un endroit insolite. Tu nous fais visiter? Ou tu fais visiter plutôt à nos abonnés? Le petit meuble, micro-ondes, petite machine à café. Les verres à vin, à eau. Ah, ça, ça fait pas partie du décor, ça. Les petites tasses. Capsule. La totale. La petite lampe de poche, hein, pour aller aux toilettes. Ça aussi, c'est toute une aventure. Et puis, eh ben, à force, on nous connaît. Après l'effort. Le réconfort. Non, parce qu'il faut aussi dire que pour venir ici, tu n'as pas de voiture, pas de train, tu as peut-être l'hélicoptère, hein. Bon, ce n'est pas dans nos moyens. Pas de télécabine. Pas de télécabine, donc c'est les pieds, les raquettes ou... Mais on est arrivé, après 1h30 de montée, hein. Ouais. Et c'est juste magnifique. La petite penderie... Les petits peignoirs avec les crocs, le petit mot de bienvenue. Non, c'est vraiment... Hein? On se réjouit. On se réjouit. Mais au fait, dans ton chalet, t'as pas de toilette? Si, si. Allez, viens. Bon, il faut juste dire que cette nuit, ils annoncent moins 10. Hein. Seulement? Donc... Si tu dois aller aux toilettes. Hein. Ouais, alors il faut vraiment avoir besoin. Hein. Sur là, la tête. Je pense que tu te retiens. Hein. Tada! Ah, mais c'est nickel! C'est parfait. On n'a pas de cuisine ici. Non. On fait avec les moyens du bord. Les moyens du bord, ouais. Non, plus que les moyens du bord, c'est quand même la classe, hein. On va vous montrer ça. Ah. On a pris le jet boil avec.
Ah. Joli. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Hein. Improviser un petit souper. Ou un petit dîner, ça dépend où tu te trouves hein, dans le monde. Alors, on s'est pris une petite courgette, un oignon. On a encore une tomate, des épinards frais. Un peu d'ail. Là-dedans, on a du blé. Blé-bli. Blé-bli. Et on va se concocter un petit dîner en amoureux, pas au feu de bois, mais sur le jet boil. C'est un moment qu'on n'a pas utilisé. Mm-hmm. Hein. En espérant voilà. Qu'il s'allume. Bon appétit, chérie. Bon app, hein. Alors, comme ça, ça ressemble pas à grand chose, mais je vous promets. Le gouille. C'est super bon. On est en Suisse, dans le canton du Valais. Pour t'expliquer ce qu'est un Mayen, c'était un refuge pour les paysans qui amenaient leurs troupeaux à l'alpage. Mm-hmm. C'était un refuge qui se trouvait à peu près à mi-chemin entre le village de plaine et l'alpage. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est devenu un écomusée où ils louent des chambres, des dortoirs. Et on a la chance de pouvoir tester ça ce week-end. Ouais. C'est quand même incroyable comme le monde est petit. Et on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais... Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, Claude vient de voir quelque chose sur un des tableaux, sur le tableau qui se trouve... Juste derrière Karine, là. Juste là. Et il correspond à quoi? En fait, c'est le... Aujourd'hui, c'est le centre Pro Natura... du glacier d'Aletsch. Et on a été là il y a 3 mois en arrière, environ. Et on a fait une vidéo sur la région de ce glacier. Et si vous ne l'avez encore pas vue, on vous invite à la voir. On va peut-être la mettre ici en haut. Bon. On vous dit à demain. Ciao, bonne nuit. Après une belle nuit de sommeil, hein, oh oui. On va te montrer ce qu'on découvre en ouvrant la porte. Regarde. On va aller au petit déjeuner. Ouais. Viens, on y va. Alors avec la nuit, en plus, on a le petit déjeuner. Hein. Et quel petit déjeuner, hein? Regardez-moi ça. On pouvait encore demander des cornflakes, alors on a dit que non, ça allait très bien. Mais petit yogourt, jus d'abricot. Petite confiture, jambon, fromage. Non mais, la classe. Et puis, le top du top. Là, tu vois bien où on est venu chercher hier soir la clé. Pour le Maya. Juste là. On voulait remercier Angela et son équipe. Angela qui est la maîtresse des lieux depuis plus de 10 ans
à Colombir. Tout était top, la nuit, le petit-déj, l'accueil, super sympa. Sympathique, ouais. Alors si vous passez dans la région de Crans-Montana et du hameau de Colombir, venez dire un petit coucou à Angela. Yes. Comme quoi, tu peux faire du VTT toute l'année. Sauf ici. Hein. Une petite pause là, hein? Hydratation. J'ai trouvé un endroit pour tester vraiment notre dernière trouvaille pour les randos d'hiver, surtout quand c'est un petit peu gelé. Alors regarde-moi ça. Et tu vois là, bon, maintenant viens nous montrer comme ça glisse sans les crampons. Ah, moi je les ai pas, hein. Voilà. Ça montre c'est la pratique, hein. Ça montre la différence, hein. Bon, je vais arrêter là. Hop. Là, tu peux voir notre prochaine destination pour un petit arrêt bien mérité. La cave du C. Juste là-bas. Merci beaucoup. Magnifique, joli. Super. Parfait, merci. Bon appétit. Et c'est top, merci beaucoup. La région de Crans-Montana est une petite pépite, la région du Valais tout court. Cas, nous, on a adoré. Ouais. On espère que vous aussi, n'oubliez pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis on te dit à bientôt, tout bientôt dans une prochaine. Ciao. Let's go. Let's go. Il manque un tour. Let's go. Ça tourne. Non mais je voulais fermer la porte, hein. Je veux faire vraiment une mise en scène réaliste. Donc je n'ai fermé la porte pour la réouvrir après.